Je récupère mon appartement après 3 ans de location. On rentre dans le salon. Et oui, il y a encore des meubles, l'agence m'avait prévenu. Ah, le cendrier est plein, là, je peux pas. Un peu de lumière, ça va faire du bien. Il y aura un bon nettoyage à faire, hein, par contre. La terrasse encombrée, bien évidemment. Il faut que je change la plaque électrique, la hotte aspirante, le frigo, le meuble sous l'évier et tous les radiateurs. Bon, en vrai, c'est sale, mais je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Ça va, je suis contente. Et quand il a été loué, il était propre. Des autocollants par terre, mais bon, ça, c'est les enfants, c'est pas grave. Et oui, je suis contente de récupérer l'appartement parce que ça fait plus d'un an qu'il payait pas de loyer. Après, je sais que c'est pas facile en ce moment. Donc c'est rien, je suis juste pressée de remettre l'appartement à neuf. Et là, vraiment, c'était dur. Je te laisse avec le pire. Direct à la poubelle, hein. Prévenue. Ah, le cendrier est plein, là, je peux pas. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Un peu de lumière, ça va faire du bien. Il y aura un bon nettoyage à faire, hein, par contre. La terrasse encombrée, bien évidemment. Il faut que je change la plaque électrique, la hotte aspirante, le frigo, le meuble sous l'évier et tous les radiateurs. Ah oui, et les clés de la boîte aux lettres et du garage parce que le locataire ne les a pas rendues. Bon, en vrai, c'est sale, mais je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Ça va, je suis contente. Et quand il a été loué, il était propre. Des autocollants par terre, mais bon, ça, c'est les enfants, c'est pas grave. Et oui, je suis contente de récupérer l'appartement parce que ça fait plus d'un an qu'il payait pas de loyer, malgré que l'agence ait mis des choses en place pour l'aider. Après, je sais que c'est pas facile en ce moment. Donc c'est rien.